Salut à tous, c'est Linkos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo d'Hearthstone. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'autres vidéos à part Pokémon et Zelda, et je me dis que pourquoi pas, hein, parce que bon, ça peut pas être toujours la même chose. Donc aujourd'hui, nous allons faire le bras de fer de la semaine. Allez, on est parti, hein. Alors, voyons voir. Phase estivale, échangez des histoires avec vos collègues à l'auberge du Phase estivale. Choisissez une classe et nous remplirons votre deck de déphaseurs et de sorts. Ouais, et je me demande si on n'avait pas déjà fait ce bras de fer. Enfin bref, on va aller du côté des du match. Allez, on est parti. Un petit bras de fer comme ça au calme, hein, ça fera pas de mal. Allez, on est parti. Bon. Pour vous, hein, qui êtes à l'école, c'est les... Ça y est, les 2 semaines sont là de vacances. Enfin, pour la plupart, après... moi, je suis... disons... j'enchaîne les stages et... je suis en recherche d'emploi. Bon, bref, allez. Vous l'avez cherché. Alors, on va voir ce que ça va donner, hein, par contre, là... Ouais, ça m'a l'air bof. Hein. Bah, les déphaseurs, on va les garder pour le fun. Mais les sorts, on les vire, hein, par contre. Ok, on a que des déphaseurs. On va voir ce que ça va donner. Bien le bonjour. Chaque tour où cette carte est dans votre main, la transforme en serviteur aléatoire. Ouais, quand même, oula. Alors... J'ai envie de jouer ça. Ah mais c'est nul. Oh putain mais oui non mais c'est nul. Vos effets de fin de tour se déclenchent 2 fois. Allez pour le fun. On va voir ce que ça va donner mais bon. On n'est pas si bien que ça hein, là. Ouais mais non, il faut pas qu'il enchaîne comme ça par contre. Oh putain. Bon. Super, on se fait aggro. Alors. Cri de guerre. Putain mais c'est pas terrible. Hein. Oh là là. Bon. Si je fais ça et si je fais ça. Ah bah super. Ok, bon, je pense qu'on a perdu, hein. Non, mais c'est n'importe quoi. Bon, on va recommencer. On va recommencer. Ah oui, non, mais forcément, attends, lui, il m'invoque... Enfin, je sais pas, tout va bien, hein. Allez, on va reprendre Mage, et cette fois-ci, on prie pour que ça se passe bien. Bon, on est contre un druide. Alors, on va tout garder. Hein. Et cette fois-ci, on va prier pour que ça passe. Bon, et on commence. Donc là, on ne peut rien... Ah on... Ouais. Bah, je vais le jouer maintenant, sinon je le jouerai jamais, en fait. Voilà. Je crois qu'il faut faire ça, à mon avis. Alors, qu'est-ce qu'il va nous pondre? Allez. Oh, il est bien long. Une idole de jade qui renvoie dans son deck. Ouais. Je suis pas très convaincu hein, par ce qu'il a fait. Ok. Parfait. Parfait, parfait. Au moins, sa jade, elle grossit pas. Il faut voir le bon côté des choses. Allez, dépêche-toi de faire quelque chose. Enfin, je sais pas, moi, mais bon. Alors, oh, Kazakus. Ah, c'est quand même dommage. Bon, écoutez, on va jouer ça sur bord de vide. On n'a pas vraiment le choix. Il nous faut des serviteurs, hein. Dommage qu'on profite pas de l'effet, mais il nous faut le board. Bon, j'espère qu'il a pas balayage, hein. Ça sera un peu abusé. On va jouer dupliqué après.
Kazakus, quoi. Et Jaraxxus. Jaraxxus. Ouais. Est-ce que tu as compris le principe? Je ne suis pas sûr. Ah d'accord. Mais c'est un enfoiré. Chaque fois qu'un... Ah ouais, non, mais c'est nul, ça. Attendez, on va faire ça. Si veut... Ouais, on... Et on va jouer un petit dupliqué, hein. Bon, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais bon. Par contre, j'ai peur des bonnes cartes qu'il peut avoir, là. Hein. J'ai un petit peu peur. Allez, dépêche-toi de jouer. Oh, c'est horrible. Oh, le relou. Oh, putain, non, mais... Les cartes de merde qu'on a. Oh là là, j'ai envie de mourir. Et dépêche-toi de jouer. Oh là là, s'il te plaît. J'ai pas le temps, moi, hein. Il trade comme ça, pourquoi pas. Ouais, non, mais c'est... On n'est pas... Yogg Saron, ok. Pourquoi il est 8-5? Attends, mais what the fuck? What the fuck? Mais... En fait, c'est grâce au à notre serviteur et... Ah, what? Je sais pas si vous avez compris ce qui s'est passé. Je vous l'expliquerai peut-être après, je sais pas parce que là... Bon, par contre, enfin... On peut faire ça, à la limite. C'est pas trop mal. Et on va geler lui, pour l'instant. On n'a pas trop le choix, en fait, là. Bon, il n'a plus que deux cartes en main. C'est ça qui est bien. Par contre, s'il nous joue un gros serviteur, on est un petit peu dans la merde. Ah, c'est tout! Ça va! Ok, ça va, ça va. Oui, vas-y, vas-y. J'aime mieux que tu trahis lui. Et si tu trahis lui, de toute façon, moi, je fais ça. Hein. De toute façon, voilà. On a plein de scarabées, MDR. Quoi. Bon. Alors, est-ce qu'il va jouer son truc? On ne sait pas. Il n'est plus gelé. Alors, voyons voir. Oh, c'est pas mal, ça. Ah, c'est pas mal du tout. Oh. C'est pas mal, ça. Râle d'agonie, votre pouvoir héroïque devient un flèche de point de dégâts. Oh, putain. Oh, ouais. Oh, je dis oui. On va tuer lui, hein. Voilà. Bon, là, on est pas mal, hein. Franchement, on est pas mal, ça fait plaisir. Mais attention, hein, ça peut se retourner. On ne sait jamais, hein, dans Hearthstone. Mais là, je crois que ça semble... Ah, pas mal. Pas mal. Pas mal du tout, ce qu'il a fait. Mais bon, on a une arme, ça c'est bien. Eh oui. Oui, tu peux me faire ça, mais là, t'as plus grand chose. Alors, mais encore cette carte MDR. Non, mais n'importe quoi. Allez, on va jouer ça. Ouais, ok, je comprends. Effigie, non, c'est pas terrible. Ça peut être bien, ça. On va rejouer un scarabée. Qu'est-ce qu'on prend? On prend la 3-4? Ouais, bon, allez. Du coup, on joue comme ça. Ça fait un petit peu bizarre, hein, mais voilà. Et on peut prendre... La pioche de cartes. Et on continue. Et un petit ping.
Au moins, si tu mets 1-1, eh bien, cette carte va être 4-7. Mais du coup, quand elle sera remplacée, elle donnera plus 3 au remplaçant de lui. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Bon, qu'est-ce que tu vas me faire, là? Idéalement, j'aimerais bien qu'il me fasse un balayage. Allez, allez, allez! You can do it! Non? Oh là là, qu'est-ce qu'il est lent, mon adversaire! Bon, tant pis, hein, on n'aura pas profité de ça. On va piocher, hein, mais on n'est plus à ça près. Du coup. Ouais, on peut faire ça. On peut faire ceci. Comme ça, on commence à l'attaquer, hein. Nous, on n'a pas le temps. On a gros, c'est parti. Hop là. Voilà. Et après, c'est bien, c'est quand notre arme sera détruite. Eh bien, voilà. Alors, ce qui est bien en bras de fer, bah, c'est con. C'est que les choses varient, quoi. Ouh! Oh, mais attendez! C'est bien ça! Ah! Oh là là! Oh, il va être deg! Bon. Bien joué. Bien joué. Je suis dégueulasse. Ouah! Non, mais attendez là! Vous ciblez ce serveur. Ah, ce serviteur, ok. Bon. Ah, c'est dégueulasse. Bon. Du coup, on va faire ceci plutôt. On va pas prendre trop de dégâts non plus, hein. On va faire ceci. Et puis c'est pas mal. On a un board correct. La nature se dressera contre vous. Oui, c'est ça, c'est ça. Eh, t'as deux cartes contre. Ça tombe, il a aile de mort. Hein. Non. Ok. Bon, il va être mort, c'est bien. Tant mieux. Dans deux tours, ou peut-être si j'ai de bonnes cartes. Ah, j'ai pas de bonne carte là. Bah attendez, 3, La 5, nature se 8, dressera contre vous. 10. 10 et après. Tiens, bah on va faire ça. On va faire ceci. Et on va faire ceci. Hein. On va pas non plus abuser. Ah mais je suis bête, j'aurais pu. J'aurais pu le mettre à zéro en fait en jouant cette carte. Bon, c'est pas grave. Gagne plus un pour chaque serviteur mort pendant ce tour. Bon. Bon bah du coup, c'est pas grave. De toute façon, ça suffira pas. Allez, donne-moi des bananes. Des bananes. Il a été un petit peu nul, mon adversaire, malheureusement. Hein. Allez, tutoie dans lui. C'est bien comme mort. Oh, dans lui, ok. Bye bye! Bon, du coup, je sais pas combien de temps aura duré cette vidéo. Peut-être 10 minutes. Hein. Allez, un petit paquet, on va l'ouvrir, bien sûr. Et on prie pour un légendaire! Allez, c'est parti. Attention, les amis! Nous allons. Oh! Un légendaire! Oh! Trop bien! Illidan, ok, bon. Eh bien, écoutez, on aura eu un légendaire dans une vidéo. Ça fait plaisir. Donc voilà. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis. On se retrouvera pour de prochaines vidéos. Bye tout le monde!